Salut les amis, c'est Gurus. J'espère que vous allez bien, moi ça super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de GTA 4. Donc alors je sais, ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode de GTA. Pas parce que je ne voulais pas tourner sur ce jeu, même si des fois je veux pas. Toi t'es foutu toi. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai enlevé Windows Insider, donc j'ai descendu sur l'ordinateur. Pour installer Windows, parce que si tu veux quitter Insider, faut forcément formater. Et donc, certes, j'avais toujours les fichiers d'installation de GTA parce que c'est sur un autre disque dur, mais il voulait pas se lancer parce que, à mon avis, c'est parce qu'il était plus enregistré dans le registre, donc il fallait réinstaller. Et j'avais la flemme de réinstaller en fait. D'accord. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Someone here to see you. I'm working out! 36. Hey, Brucey. Nico! One second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Kia! 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 Yeah! Man, I'm ready for you, Nikki. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey. Do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Nah, I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye. Vous avez remarqué, à chaque fois que ça dit qu'il n'y a aucun risque, il y a toujours un truc qui se passe. C'est un peu la marque de fabrique du jeu. À chaque fois... Mais je me souviens plus ce qui se passait dans la dernière mission. Je crois qu'on a tué Rivas, ouais, on l'a tué vers l'aéroport, c'est ça. C'est un peu vite, il n'y a qu'une moto. Donc on doit aller où en fait? Parce que j'aime pas. Ah ouais, en fait, je prends une moto, mais pour ça, d'accord. C'est pas très loin. C'est pas grave. Honnêtement, j'en souviens plus cette mission. Il y a une banque que j'ai chargé pour ça. Ouais, y'a pas de voiture. Pas de ça de voiture, je pense. Pourquoi faire le tour? Pourquoi faire le tour? Je comprends pas. Alors. Pour une arme au cas où. Pourquoi faire le tour? Je comprends pas. C'est qu'il y a des gens? Attendez. Non? Mais pourquoi faire le tour? Je comprends pas. Alors. Ils disent faire le tour, mais il y a rien. Ça, c'est pas des potes. Ah non. Ah, ça, c'est pas des potes. Ils veulent pas qu'on pique un tir, mais ils tirent dessus, ça intéressant ça. Oh. Ouais, mais tiens, ils ont mis une mitraillette. Fais gaffe toi. Oh, bon, ça va, c'est simple de leur échapper en fait. Ça va, je pensais que ce serait plus dur que ça.
Ouais, bah en fait, peut-être pas tout ça. Bon, ça suffit. Ah merde, il monte. Oh! Bah tiens. Bon, là j'ai foiré, je vais mourir en fait. Hop là. Oh! Oh la vie! Oh! Une mission aussi simple et je meurs, bah d'accord. Est-ce qu'il va aller tout droit aussi? Oh, ça va, je suis en route. Bon, non. Ah, bon. Une mission aussi simple. Alors, mourir d'une mission aussi simple, ça quand même faut le faire. C'est vrai qu'on a toujours nos armes, j'avais oublié ça. Bon, tant mieux, écoutez. Oui, bon, oui, ça se voit vraiment que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. C'est dans les autres GTA, c'est pas du tout à ma conduite. Bah, dans San Andreas, parce que dans le 5, ça fait encore plus longtemps que j'ai pas joué. Bon, en fait, à la dernière fois que j'ai joué au 5, c'est la dernière vidéo qui est sortie, donc je crois qu'elle est sortie avant la dernière de GTA 4. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je me demande un truc, est-ce que sur sa voiture pour y bloquer, ça va vraiment y bloquer ou pas? Non, c'est... Ou alors la voiture va disparaître quand ils vont venir. Bah on va tester, écoutez. On est là pour faire des tests. D'accord. Si on y a ça ici. Comme ça. Hop. Est-ce que la voiture va rester ça et bloquer ou est-ce qu'ils vont partir? Bah, est-ce que la voiture va disparaître? On va voir, écoutez. No risks, Brucey. Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lyle's ride. Ah bon, bah la voiture a disparu. Ok, d'accord. On est fixé comme ça. Ouais, brave. Oh. Ah oui, je fais un petit détour. Non, je vais pas aller tout droit. Oh merde, mais non, on peut pas passer. Hein. Ah bah, eux non plus, c'est parti. Hop là. Comment ils ont fait? What? Ils sont téléportés? Ah non, j'en passe sur le trottoir. D'accord. Bon bah écoutez. Mais en fait, c'est quoi cette ville où tout est barré, hein? D'accord, tout est barré, c'est intéressant. Ouais, ils sont là en plus, bah oui. Ouais. Mais ils se téléportent ou quoi? Non mais attends, c'est pas possible là. Ils se téléportent forcément. Oh non, non. Je pensais que j'allais foncer dans les murs. Hop, toi t'es mort. Ah, ils sont trois! Ah oui! Ah ouais, d'acteur. Y'a pas de grenade? Comment on change d'arme? Ah, c'est A. Non, bah, y'a pas d'arme, c'est pas. De grenade. Bon, elle est un peu abîmée, ouais, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas le choix, de toute façon. Hope you were expecting a fixer-upper. The only thing you expect when you're working for Brucey is a whole lot of bullshit. Thanks. Vous avez vu, Nico a failli se faire écraser par la porte du garage. Bon. Allez, on va faire mission pour Dimitri. C'est la seule mission qu'on a pour l'instant, donc on a pas vraiment de choix.
Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Fausto. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelica, but we cannot change the rules. See you later. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que la cinématique a été plus sombre que Jean lui-même. Enfin, que Jean est sombre quand même, là. Je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est déjà un peu mieux, là, mais c'est... Bon, je suis désolé. Mais je trouve qu'il est assez sombre, le jeu, quand même. Après, c'est, oui, je sais, c'est GTA 4 de base qui sont par rapport aux autres GTA, je parie. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment pas trop ce jeu, parce que une des raisons c'est qu'il est un peu sombre. Bah, les couleurs sont pas assez vives par rapport aux autres GTA. Donc, ouais. Après. Moi, c'est pas pour ça que je... Si, j'aime bien le jeu. Pas au contraire, j'aime bien le jeu. Mais c'est pas mon jeu, mon GTA préféré, quoi. Pour moi, mon GTA préféré, pour moi, est meilleur, c'est San Andreas. Et même mieux que GTA 5. Donc, pour vous, quel est votre GTA préféré? Après, ça peut aussi être le 1, le 2, pour ceux qui ont joué, bien sûr. Même si t'es en 2D. Ah. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel était votre GTA préféré. Et si vous avez aussi une raison, bah dites aussi la raison. Moi pour pourquoi je préfère GTA San Andreas aux autres, parce que franchement je sais pas. Niko. Niko Bjelica. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... My brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm.
No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen, had I not been there, meet for some gin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! I'm going to fuck you, your like mother! Like spineless... What? Comment j'ai fait ça? Peut pas te dire. I showed mercy to you and to your cousin when Dimitri wanted you dead. The time for mercy. Est-ce qu'on peut tuer Faustin d'ici? You're mine, Faustin. Stay away from people like me. J'ai jamais su si on peut tuer ici. D'accord. Bon bah si on peut pas tuer. Merde. Oh. Non, il y a encore. Attends, c'est normal. Oh, d'attends. Oh, headshot, parfait. Oui, donc ce que je vous disais. Bah, attendez, je vous le dirai après qu'on aura tué le Faustin. Merde-toi. Je sais pas si on peut tuer d'ici. Ah non, tu peux pas tuer d'ici, c'est dommage. Ah oui, t'es obligé d'exécuter, intéressant. What? D'accord. Bon bah écoutez. Et attends, du coup il est mort ou quoi? Ah si, bon. Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Dans ce que je vous disais, pourquoi pour moi GTA San Andreas est meilleur GTA? Parce que bah déjà, c'est tout premier GTA auquel j'ai joué, j'avais quoi, 7-8 ans quand j'ai joué. Il y a aussi bah histoire, tout, même si les graphismes sont pas excellents. Regardez, GTA 5 c'est meilleur jeu vendu, les graphismes, je suis d'accord. Mais franchement, je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi, c'est GTA. C'est San Andreas, le meilleur GTA. Donc n'hésitez pas à me dire quel était votre meilleur GTA. Et on a pas une mission. Bah, ça c'est intéressant. Hop, par contre, il y a une voiture à prendre la prochaine fois. Donc on va se regarder. On va se quitter. Hein. Donc n'hésitez pas à y liker et à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut !